Bonjour, madame. Police de Roubaix. On est ici pour l'incendie qui a eu lieu à côté de chez vous. Un des films les plus attendus de cette rentrée. Comme j'ai dit à vos collègues, moi j'étais en train de dormir. Voici donc le dernier de Pléchin. Plus de ça, j'avais bu un coup, donc j'ai rien vu. À part quand ça a explosé, que les chiens ils ont aboyé. Le lieu du crime, une courée. Le décor, une ville du Nord. En 2002, une vieille dame est assassinée par deux voisines. Sur le coup. C'est un meurtre. Roubaix, bonjour. Une lumière, entre polar et tragédie. C'est la police de Roubaix. Je voulais embrasser le réel et pas refuser la fiction et embrasser le réel. Et chez moi, à Roubaix. Pas ailleurs que Roubaix. Je ne savais pas encore, mais les premières notes que j'ai, c'est est-ce que c'est la vie d'un hôpital ou à la vie d'un commissariat. Mais en tout cas, ça se passe à Roubaix. Ça, c'est sûr que ça se passe à Roubaix. Parce que je suis originaire de là, parce que j'avais envie de faire un portrait de cette ville, parce que j'avais envie de montrer cette ville. Il y a un véhicule en feu rue du Grand Chemin vers le numéro 100. Je veux aussi la perte de l'identité judiciaire d'ici une heure. Roche Dizem incarne le commissaire Daoud, un chef de police mystérieux et charismatique. Et par ici, c'est Tourcoing. Et derrière, on devine l'île. Et au pied des cheminées, là, c'est l'épaule. Et si vous regardez bien, on voit l'école où j'ai appris le français. C'est pas un homme qui juge, c'est un homme qui dialogue, qui écoute, qui a la particularité de savoir mettre les gens en confiance de façon à ce qu'ils se retrouvent en situation de confession. Je suis sur la tête de mon gosse quand je suis rentrée dans la maison. Et c'est quand que Claudia va venir ? Non, vous êtes rentrée dans la maison. Je suis pas rentrée dans la maison. Elle est rentrée, mais toi t'es rentrée aussi. Le cinéaste s'est inspiré d'un documentaire tourné dans le commissariat de sa ville natale. Bah oui, justement, on n'y est pour rien du tout. Alors pourquoi, qu'est-ce qu'on fout en garde à vue ? Moment choc, quand les deux marginales passent aux aveux. Il était trop tard pour reculer. Deux visages de la grande pauvreté, interprétés par Sarah Forestier et Léa Seydoux. Le film parle de Roubaix, mais il parle surtout des âmes qui hantent cette ville, quoi. Et donc, chacune avec leur singularité, leur mystère, leur contradiction. J'ai une fascination pour cette ville, pour plein de raisons. Et évidemment, son côté, c'est la gloire qu'elle a connue et sa déchéance et ses habitants aussi, toutes ces maisons qui sont abandonnées, ces maisons qui étaient à vendre pour 1 euro, ces hôtels particuliers complètement vétustes. Et je trouve cet endroit fascinant. Pour notre nouveau lieutenant Cotterelle à l'incendie criminel rue des Vignes. Voilà, ce sera tout, merci. Où est-ce qu'elle est la lumière ? La lumière est dans le cœur des gens. Vous savez toujours vous si un suspect est coupable ou innocent ? Et Daoud, il sait ça. Il arrive à voir ça, à voir l'âme des gens. Comment vous faites ? Je sais pas. J'essaie de penser comme eux. Roubaix et Cannes, deux villes étroitement entremêlées dans l'histoire du cinéaste nordiste. En mai dernier, Arnaud de Pléchin avait retrouvé le tapis rouge de la compétition officielle. Son 6e film présenté sur la croisette s'offre demain à tous les regards.